Salut à tous et à tous, ici AGR38. Aujourd'hui on se trouve comme promis pour le petit épisode donc spécial Star Wars à la sortie du film et pour vous présenter le logo et le slogan de la chaîne YouTube. Donc avant de vous présenter tout ça, j'aimerais vous parler un petit peu du jeu en soi. Donc, j'ai eu le temps un petit peu de jouer à différents modes de jeu. Donc le jeu, moi j'adore vraiment ce jeu, hein. Y a vraiment pas de souci pour ça. Bon, je galère un peu encore dans les modes en ligne, mais bon, c'est bien fait graphiquement et le film est aussi question qualité d'image extraordinaire, quoi. On a dans le film, on retrouve vraiment les différentes maps. Ici avec la neige, on retrouve la forêt, on va retrouver pas mal d'endroits du jeu dans le film. Donc pour ça, c'est assez bien. On a une correspondance entre le film et le jeu qui se retrouve vraiment. Donc avant de commencer à vous faire une game, j'aimerais vous montrer quelques petits trucs dans le jeu. Notamment donc les personnalisations des personnages, les apparences surtout. Donc on a donc une personnalisation donc de ces personnages, donc des rebelles, avec un casque, donc cette fois, donc là c'est un humain aussi, donc les humains, avec une barbe, on peut aller les femmes avec des cheveux, on peut mettre des chinois. Une barbe aussi, on va pouvoir aussi aller mettre des différentes coiffures, etc. etc. Bon, pas de cheveux du tout, si on a envie. Voilà, là voilà encore une femme, cette fois avec un casque. On va aussi pouvoir une barbe, pas de barbe, vraiment personnaliser son rebelle. On peut aussi le faire du côté impérial. Donc là on voit tout de suite donc, la musculature de l'homme et la musculature de la femme sur le Stormtrooper. On va aussi pouvoir personnaliser le visage du Stormtrooper dans la même configuration que le rebelle, donc des pas de cheveux, une barbichette, des cheveux, etc. etc. Donc toutes ces apparences sont à déverrouiller et à acheter avec l'argent virtuel du jeu. On a aussi les émotes. Donc là, allez, vas-y, top là moi. Viens, le mode droïde. Voilà. La danse. La street dance, robot. Faute. Voilà. C'est pas ma faute. Enfin, voilà. On peut lever les pouces. Mon frère. Ouais, mon frère. Je t'aime, moi aussi, mon frère. On a aussi. Vas-y, boum. Allez. Voilà. Donc. Toutes ces apparences qui sont... Allez, vas-y, encore mieux, on a aussi... Là, c'est trop facile, ouais. C'est vraiment trop facile, je me la coule dans mon fond de mon deck. On a vraiment tout ça qui sont là. Hein. Puis, allez. Bravo à toi, ouais, c'est bien. T'as bien joué. Puis, on a aussi le... Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, ouais. Enfin, toutes ces personnalisations qui sont assez... Allez, c'est clair ici. Allez, c'est clair pour ici. On va changer de sujet tout de suite et passer aux choses qui vous intéressent un petit peu plus, savoir le jeu, le film et bien sûr le slogan et le logo qui vont arriver tout de suite à l'écran. Donc, voici le logo de la chaîne. Donc, nous avons sur ce logo un H, un V, un R. Dans ce R, nous avons l'écran de l'ordinateur avec un game over, donc le H, le V et le R pour les lettres, donc pour HVR. Et nous avons donc dans le haut du R cet écran de game over avec notre ami le petit Worms qui est un vert, donc justement pour ce jeu de mots HVR. Et donc nous avons notre Worms avec bien sûr son petit bandana pour le protéger. Un peu cam, un peu pour le cacher dans son bureau, quoi. Il se camoufle dans son bureau, justement, cet effet de camouflage. Et nous avons aussi, bien sûr, sa manette, hein,
puisque on pouvait pas faire une souris à un clavier, enfin. Donc j'ai préféré lui mettre une manette à ce petit bois en faisant les mains, et comme on peut voir à l'écran, il y a un game over. Il tire une sale tête, ce pauvre Worms, que... C'est quoi ce délire, le Worms qui dit, c'est quoi ce délire, merde, j'ai perdu, et... Oh là là, c'est la catastrophe, parce que perdre, c'est le pire de tout. Et justement, on a cet effet-là. Et bien sûr, un joueur qui, tout joueur qui se respecte, a bien sûr sa canette partout dans sa chambre, sa poubelle, ses gâteaux, sa pizza, enfin toute personne qui joue et qui ne sort pas de chez lui a sa pizza, sa canette de coca, évidemment, bah, l'écraser justement pour amplifier l'effet justement qu'il va même pas acheter ses déchets. Tout est fait vraiment pour l'image du gamer de base. Donc voilà ce petit logo donc, que j'ai créé avec un collègue de travail, donc je le remercie énormément pour son aide. Et donc voilà, on a trouvé cette idée intéressante. Donc je le remercie vraiment beaucoup pour ça. Et puis bah, en ce qui concerne le slogan, et ben, je pensais vous mettre gaming for you, parce que je joue pour vous, je joue pour moi aussi, mais voilà, donc gaming for you et ma vision des choses, je joue pour vous faire des vidéos chaque semaine à peu près. Je me fais vraiment plaisir chaque jour à vous en faire. Donc c'est vraiment... Il me fait vraiment plaisir. J'ai encore pas mal de nouveaux jeux qui vont arriver. Donc j'espère vraiment vous faire plaisir à vous aussi en vous montrant de nouveaux jeux. Que ce soit du FPS, du MOBA, etc. Voilà, donc ça va être vraiment gaming for you. Et ce slogan pour le moment. Si vous avez d'autres projets pour la chaîne... Si vous voulez venir jouer avec moi aussi, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Hein. J'ai pas mal de jeux, donc que ce soit Unreal Tournament, Titanfall, Star Wars, Hero of the Storm. Bientôt, je vais vous faire une vidéo sur World of Warcraft aussi. Je viens de l'acheter le jeu, je vais vous faire pas mal de jeux. J'ai Overwatch et j'ai Paladin, surtout Paladin, que je vais vraiment vous en faire une vidéo. C'est vraiment promis sur ce jeu. Et j'ai vraiment adoré ce jeu et j'espère pouvoir vous montrer un team play très, très bientôt avec toute la team, vraiment une team complète. On va les massacrer les mecs en face. Enfin bref, on va passer tout de suite à la vidéo donc, que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ça va être un mode bataille et on va se mettre sur Tatooine bien sûr. Donc on a plusieurs maps. Hein. Moi j'ai vraiment envie de vous montrer Tatooine. Donc ça va être bataille sur Tatooine que je vais vous montrer ce soir. On va se mettre en mode normal et puis on va se mettre en mode solo. Donc voilà, donc c'est le logo à retenir ce soir. C'est vraiment ce logo. On va bien sûr parler du film pendant qu'on joue. Donc ce film réalisé par J.J. Abrams. Et qui dure environ 2 bonnes heures. Un petit peu plus de 2 heures, donc 2 heures de film que j'ai trouvé vraiment très génial. Bon, après, en plus, petite anecdote pour vous, je suis tombé dans la file d'attente avec. Donc, on va prendre. Voilà. On va prendre les rebelles. Donc, je suis tombé en plus sur France 3 et qui était là. Et... à nous attendre dans la file d'attente. C'était quoi, 15h quand j'y suis allé avec ma famille. Donc on arrive là-bas, tout devant la salle. Et il commence à nous dire, le mec, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous adorez Star Wars? Enfin voilà, moi je lui dis oui, j'aime Star Wars. Et, cette bataille testera nos compétences. Et puis nous devons vaincre autant d'impériaux que possible. Et puis voilà, j'ai le jeu, enfin voilà, je fais des vidéos sur le jeu. Donc là, le but, c'est de tuer 100 mecs. Si je me trompe,
Si je me trompe en plus sur mes touches, ça va pas aller. Petite grenade pour eux. Hop. Tiens, voilà. Donc, le but, c'est de ramasser ces jetons-là. Un peu plus. Voilà, faut ramasser ces petits jetons et puis le premier arrivé à 100 a gagné la game. Ça c'est, enfin, ça c'est un pote à moi. Si je tire sur mes potes, c'est un peu plus compliqué. C'est le réflexe. C'est pas... Voilà, encore un pote à moi. Voilà. Où c'est qu'ils sont ? Encore des jetons là ? Si je tire sur mes potes, ça rend pas le temps. Essayer d'éviter de mourir. Si je les mets pas en voilà, donc ça c'est fait. On est déjà à 4, ils sont à 2. Voilà. On va essayer de temporiser le jeu un peu, de calmer la game. On peut toujours utiliser la petite arbalète. On va se faire plaisir un petit peu ce soir, prendre le temps de jouer tranquillement. On n'est pas là pour faire du record. Vous valez mieux que ça. Ah bah, faut là. Donc là, faut aller pas oublier d'aller ramasser les jetons, surtout. Voilà. Donc oui, le film, et bah, j'ai vraiment aimé ce film. Il était vraiment à la hauteur de ce que je m'attendais. Toujours dans le film, nous avons toujours, bien sûr, le déroulé actuel de Star Wars, hein, comme à l'époque, sans aucun souci dans le jeu, dans le film, pardon. C'est un film qualité d'image extraordinaire. Moi, je l'ai vraiment adoré. Donc qualité d'image, comme je disais, extraordinaire. Si tout va bien. On s'amuse, on passe vraiment un bon temps à regarder le film. Très agréable à regarder en image. Ça va me péter au nez. Très agréable à regarder en image. C'est pas, il est pas long, il est pas fade. Il est pas fade, il est pas... Il est tout ce qu'on peut espérer pendant la fin. On va aller chercher les machins. Pas fade, pas... Vraiment tout ce qu'il faut pour le film. Donc c'est vraiment du J.J. Abrams, ça, on retrouve bien le... j'ai trouvé qu'on retrouvait vraiment l'ambiance de Star Trek aussi dans le film. Bon, après... J.J. Abrams, c'est quand même assez spécialisé dans ce domaine de jeu. Les impériaux tournent au ralenti. Il est assez... il est assez spécialisé dans ce domaine, justement, du futuriste. Il est assez, ouais, voilà, comme je disais, spécialisé dans le domaine. L'histoire est bien écrite, on comprend, même sans avoir vu les autres Star Wars, sans aucun problème, on comprend vraiment très tout. Impressionnant. Continuez comme ça. On comprend vraiment tout sans difficulté. Faut vraiment pas être con pour comprendre. Il y a pas de problème là-dessus. On va se mettre sur un peu allumé. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le film? Bah, c'est qu'il va y en avoir un autre, hein, ça c'est sûr. Hein, ça va être annoncé, c'est annoncé même de toute façon. Hein. Après, qui sera la réalisation? Je ne sais pas. Sûrement J.J. Abrams. J'ai pas regardé l'actualité. Hein, pour le film, les entrées qu'ils vont faire, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde ce week-end en France, même partout à l'étranger. J'aurais aimé être à l'avant-première au Grand Rex. Malheureusement, pour cause professionnelle, je n'ai pas pu y être. C'est dommage. Sinon, je vous aurais ramené sans aucun problème des vidéos et des photos de cette avant-première. Parce que les avant-premières au Grand Rex, j'ai toujours aimé beaucoup cette ambiance. Voilà, j'ai toujours aimé vraiment les ambiances avant-première, etc. Donc, et puis, ouais, je vous aurais vraiment ramené des photos, des vidéos.
tout ça pour vous, quoi. Mais ça n'a pas pu être possible. Donc après... Oh, voilà, je viens de me faire tuer, là, désolé. Bon, on les mène quand même de 64 à 100. Ça va, je m'en sors bien. Après, on est en mode normal, bien sûr. Donc on va continuer après sur une autre. J'espère que bah, ça vous plaît toujours, hein, mes vidéos. Je sais que en ce moment je suis pas très présent, pareil, cause de travail, etc. J'ai pas mal de boulot en ce moment. Malheureusement, bon, je suis pas mort. Oui, comme je disais, je suis pas mal pris en ce moment par le travail et tout. Mais après les fêtes de Noël, ça devrait se calmer. Donc je vais pouvoir faire vraiment du Twitch sur Paladin, des vidéos sur Paladin. J'ai récupéré d'autres jeux sur Steam, des bons petits jeux assez sympas qui vont vous plaire. Donc on va essayer de se caler ça très rapidement. Et donc voilà. Donc après bah Star Wars c'est pas mon jeu favori, hein. On reste toujours bien sûr sur Titanfall. Comme toujours fidèle à ce jeu là. Je reste vraiment fidèle à Titanfall, hein. C'est mon jeu de base. Et vraiment là où je suis vraiment bon, hein. Mais je me ferme pas à différents jeux. Si on veut m'en proposer, je serais très heureux de venir jouer avec vous sur d'autres jeux. En fonction du temps que j'aurai, je viendrai sans aucun problème, même faire des vidéos avec vous, il n'y a pas de soucis. Je reste très ouvert à tout ça. Après vraiment la technique d'enjeu c'est vraiment pas de rentrer dans le tas, parce que si vous rentrez trop dans le tas bah c'est mort, quoi. Vous faites pas long feu, quoi, ce jeu il est vraiment pas. Ils n'ont rien vu. Vous rentrez dans le tas, faut vraiment rester en équipe, parce que c'est la base. Faut savoir se mettre à couvert et faut pas faire comme moi là. Voilà. Faut vraiment se mettre bien à couvert ce jeu et trouver la bonne maîtrise du jeu, quoi, parce que c'est pas évident de se prendre vachement en main, ce jeu, je trouve. Après, bah, comme tout jeu, hein. Bon, après, pour ce que c'est, je les trouve un peu cher quand même. Je tout de suite. Il est un peu cher quand même, les DLC, ça va être vraiment cheap de les acheter, je ne sais pas. On va bientôt avoir gagné, ça va être bientôt la fin de la game. Bah voilà, ça y est. De vous compter dans les rangs des rebelles. Voilà, on a gagné la game. Donc j'espère que ce que je vous ai un peu dit va vous éclairer un peu sur le film, etc. Bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et comme toujours, likez la chaîne, etc, etc. Likez la chaîne, partagez-la. Faites-vous connaître auprès de moi si vous voulez jouer avec moi. Éclatez-vous sur le jeu, n'hésitez pas à aller voir le film, laissez des commentaires dans la vidéo sur ce que vous avez pensé du film. Venez sur Facebook, on en discute aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez ma page HVR38 sur Facebook. J'attends vraiment vos commentaires là-dessus, vos retours sur le film à vous, vos retours sur le jeu aussi si vous en avez. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, donc sur d'autres jeux. Paladin, World of Warcraft, du Titanfall aussi au programme, bien sûr, sûrement du Titanfall au programme. Je vous laisse avec de nouveau avec le logo et le slogan, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.